mon interprétation du Gembri, donc la corde du milieu et l'octave de la première. Alors là, j'ai mis Ré, Ré grave, Ré aigu et Sol. J'obtiens le son un peu frisé au moyen de ressorts en acier sur la corde et que l'on peut supprimer. Donc on peut les passer à l'arrière du chevalet parce que les cordes sont en nylon. Donc ça apporte beaucoup de souplesse, il n'y a pas beaucoup de tension et on peut facilement les bouger. Avec deux capteurs sous le chevalet et deux capteurs de ce côté-là pour la percussion. Voilà, le corps est en cèdre, donc il y a deux attaches pour le manche. Il y a un logement pour mettre le nœud des cordes. L'entrée jack. Voilà. Et le manche est en noyer avec trois mécaniques de guitare basse. Voilà. L'instrument est facilement jouable à l'archet. Imaginez aussi de supprimer l'octave du milieu pour faire un instrument à trois cordes avec des notes qui se suivraient. Voilà.